J'ai compris que le fait d'utiliser une typologie à deux facteurs et non pas à 4 ou à 12 permet d'affiner considérablement l'étude des deux facteurs en présence. Beaucoup plus que dans un système à 12 facteurs, alors le bélier, le taureau, le scorpion, le sagittaire, le jupitérien, le saturnien, l'uranien, le neptunien. Bon, il n'y a pas de dualité et donc il n'y a pas un travail de définition sérieux. Il faut dire les choses comme elles sont. Donc là, nous avons une astrologie binaire, à la fois au niveau de la typologie et au niveau de la psychologie. Donc c'est quelque chose d'extrêmement simple. Et cette simplicité est le résultat d'un processus de décantation. Forcément. On n'arrive pas à la simplicité sans un travail de sélection. Dans un travail d'élimination. Et le jupitérien, quelqu'un qui sait faire des tris, qui faire des choix, qui sait se débarrasser des poids morts, des redondances, hein, des doubles emplois. Et ça permet à l'astrologie, en l'occurrence, de se rénover, de se renouveler. Comme je disais dans une autre vidéo, Jupiter, il est là pour simplifier les choses, pour les ramener au point origine. Saturne nous enlève, nous éloigne du point origine, puisqu'il est un prolongement, il est un développement. Et Jupiter est là pour ramener aux fondamentaux. Et ramener aux fondamentaux, ça veut dire éliminer les éléments qui ont pu se rajouter, les particularismes, les idiotismes qui ont pu se rajouter et qui sont une forme de corruption de la structure de départ. Alors, j'ai fait une liste comme ça des termes qui caractérisent le comportement jupitérien. Alors, tous les mots commencent par de ou des. Se débarrasser, se défaire, se détacher, se désintéresser, se départir, se dégager, se démunir. C'est un travail, ça, de renoncer à des choses qui se sont mises en place. Et le rôle du jupitérien, c'est justement de permettre, de faciliter ce travail de deuil quelque part. Parce que c'est un travail de deuil. Se priver de quelque chose à quoi on était habitué, sortir d'une certaine forme de routine, c'est éprouvant. Et donc, je reviens maintenant à Saturne. Et un mot qui va peut-être pas plaire aux Saturniens, c'est le mot cupidité. La cupidité, c'est qu'on n'en a jamais assez. On en veut toujours plus. Donc le Saturnien, il veut toujours en rajouter, et le Jupitérien, il veut toujours en enlever. Alors évidemment, ça correspond à des dynamiques opposées, forcément. Et donc, il y a aussi certaines qualités chez le Saturnien qui sont celles de la complicité, de la convivialité, de la connivence, de la communion. Puis j'oppose le préfixe cum, con, avec, et le préfixe de, qui vient aussi. Et donc, le Saturnien, il est dans la fidélité, il est dans la loyauté. C'est-à-dire qu'il va rester dans une situation par esprit de corps, par corporatisme d'une certaine manière. Alors que le jupitérien, lui, il n'a pas ce genre de scrupules et il n'a pas forcément à être ni fidèle ni loyal. Ce qui est important pour lui, c'est d'évacuer, ça veut dire de faire le vide en quelque sorte, d'évacuer ce qui a pu se rajouter et qui vient masquer, qui vient brouiller
la structure de base, qui vient l'embrouiller. Donc il y a une certaine forme de dialogue de sourds entre le jupitérien et le saturnien. D'une certaine manière, ils ont chacun besoin l'un de l'autre, mais c'est quand même un dialogue de sourds. Ils n'ont pas les mêmes valeurs, j'en parlais encore hier. Le jupitérien est un isolé, un solitaire, qui pense en lui-même, qui réfléchit en lui-même. Le saturnien est un grégaire, qui communique, qui fait du bruit, qui parle. Ce qui énerve et ce qui hérisse le jupitérien, qui a besoin de silence. Donc même au niveau de l'environnement, les conditions de vie ne sont pas les mêmes, ce ne sont pas les mêmes exigences, ce ne sont pas les mêmes attentes, les choses comme elles sont.